Et salut les gamers, c'est MrCrip59. Donc on se retrouve sur ma une partie solo, pardon, où je vais faire ma nouvelle série Professeur Crips qui sera basée sur la Redstone. Et donc on va attaquer tout de suite un petit sujet. Donc imaginez que vous allez miner du diamant. Donc voilà, vous avez été miné. Et vous revenez avec beaucoup de diamants. Mais imaginez que pendant que vous remontez à la surface, un creeper vous arrive dans la gueule et pff, vous êtes mort. Vous avez perdu vos diamants. Et vous êtes très vénère et vous quittez la partie, vous faites rage quit et vous désinstallez Minecraft. Là, je vais un peu loin quand même. Hein. Ben, j'ai trouvé sur internet plusieurs vidéos. Bien sûr, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Donc ne me dites pas que j'ai plagié. C'est vrai que j'ai recopié, non, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos pour m'inspirer de ce système. Et donc, ne me dites pas que j'ai plagié, puisque je vous dis que j'ai juste vu des vidéos. Alors, ceci est l'ascenseur à item. Donc, ça se passe comme ça. Imaginez que vous êtes dans votre grotte, vous arrivez, vous mettez tous vos diamants, vous appuyez sur le bouton et regardez, et il va monter. Donc, maintenant, on va aller tout en haut. Donc, vous faites votre chemin, par exemple, vous avez une échelle juste à côté, vous montez à l'étage, et quand vous arrivez juste à côté de votre maison, pouf, les diamants sont déjà en haut et vous attendent. Donc c'est tout simple en fait. C'est un système tout simple, et je vais vous montrer sur quoi ça se base. Donc en fait, vous connaissez tous que quand vous mettez des items dans le sol, pardon, et que vous mettez un bloc au-dessus, les items remontent. Donc c'est tout simple en fait. Il y a du verre tout en haut, jusque tout en haut. Et donc les items que vous allez mettre là, quand je vais appuyer sur le bouton, ici le verre va se lever. Le verre qui est en dessous des items va se lever. Et ici va bloquer l'accès à la sortie. Donc les items vont devoir monter, 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 jusqu'à quand ils vont trouver une sortie. Et la sortie est ici. Donc, c'est un système qui va très très vite à fabriquer, qui n'est pas coûteux en redstone et qui est très très utile. Voilà. Donc, on se retrouve dans une autre map pour vous apprendre à comment le construire. À tout à l'heure. Et donc, tout le monde, nous nous retrouvons sur une autre map pour vous expliquer comment créer ce magnifique ascenseur. Alors, je vais vous le faire autrement parce que c'était pas super beau avec de la stone, ça je l'avoue. J'ai fait ça pour vous faire comme si c'était dans une grotte. Donc là, maintenant, on va changer. On va faire. Oups! On va faire comme ceci. On va le faire avec du verre. Comme ça, vous voyez bien que ça va monter. Alors. Excusez-moi. Les pistons. Voilà. Alors, vous avez juste à mettre un piston dans le sol. Et mettre un verre au-dessus. Donc après, vous prenez de la glace. Essayez de ne pas mettre des lumières devant. Bon, ou alors, vous pouvez faire comme. Ça, on va mettre en fer. Ce sera plus beau. Voilà, vous voyez, vous pouvez venir là, mettre là. Mais bon. Moi, je vous conseille de mettre de la glace. Parce que si vous mettez un autre bloc, soit vous lancez bien dessus. Mais ça risque de ne pas arriver. Oui, à part sauter. Ça va être dur de faire arriver le bloc, l'item ici, parce que ça freine sur les autres blocs. Donc la glace va vous permettre de faire glisser ces items, vous voyez, jusqu'à ce qu'il va trouver une surface qui peut le stopper. Donc après, nous mettons du verre, comme ceci. Et ici, vous rebouchez là, et là, surtout là. Donc maintenant, vous montez de l'étage que vous voulez, on va faire très très haut. Donc là, je pense que ça devrait être assez haut. Bon, encore un petit peu, peut-être. Et là, ça devrait être nickel. Donc, on va déjà créer la surface en haut. Mais surtout, 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 s'il ne faut pas oublier, c'est de mettre quelque chose autour. Si vous laissez comme ça, il va sortir directement, en fait. Donc, il va falloir faire très gaffe à ça. Vous faites comme ça. Je vais mettre du verre. Je vais mettre ça pour tenir l'eau. Et donc, vous mettez des plaques de pression ou quoi que vous voulez ici.
Et là, vous mettez de l'eau. Donc l'item va arriver par ici, et hop, il va toucher l'eau, il va directement sortir et se faire emporter par le courant. Donc, on va construire le reste de l'ascenseur. Donc ça, faut bien imaginer que ça, c'est dans une grotte ou quoi que ce soit, hein. Parce que, ou même une île volante, vous voyez que vous êtes au sol, vous avez été chercher du bois ou quoi que ce soit, et avant de remonter, pardon, par, je sais pas, un courant d'eau qui vient de l'île volante, donc vous devez remonter avec de l'eau. Si vous tombez, que vous tombez sur une surface de l'herbe, de la terre ou quoi que ce soit, vous pouvez mourir et vous perdez vos items. Et donc, ou même dans une grotte, hein, comme je le disais avant. Donc il faut bien imaginer que c'est dans les. C'est super utile, oui. Alors, nous allons finir vite fait. Oups. Allez, je pose des blocs à côté, ça va pas le faire. Voilà. Donc maintenant attaquons le circuit de Raston. Bien sûr, je vais vous expliquer quelque chose d'autre. Vous allez activer ce piston. Il va se lever. Mais ah, je vais vous faire montrer tout de suite. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va mettre le bouton ici. Donc maintenant, nous allons faire très simple. Le circuit, c'est pas dur du tout. C'est vraiment très économique en Raston. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Regardez. Oups, j'ai cassé. Voilà, vous mettez comme ça. Et là, vous mettez ça à 3 à peu près. Donc vous voyez que on est d'accord. Maintenant, où? Allez, voilà. Maintenant, si on fait ça, il va sortir. Il va trouver la sortie la plus proche qui est ici. Et donc, on va faire quelque chose d'autre. On va mettre un piston là et un vert. Ce qui va faire que quand on va appuyer, il va directement. Comment on peut dire? Il va directement s'ouvrir, se déployer, et donc il va bloquer la sortie à l'item. Et donc il sera obligé de monter tout en haut. Enfin, en même temps, on peut pas monter tout en bas, hein. Donc maintenant, on va vous montrer. Donc, je vais remettre tout mon truc, tout mon stuff. Voilà. Maintenant, vous appuyez et regardez bien. Donc vous voyez que ça va déjà très très vite, hein. Et hop, tu y reviens haut. Oups, la plaque de pression est tombée. Donc vous voyez que ça va super vite. Après, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Et voilà, donc vous avez un ascenseur à item qui peut vous servir dans tous les cas. Voilà. Et maintenant, on va retourner sur la map du labo et je vais vous montrer un petit glitch. À tout à l'heure. Et donc, re tout le monde. Donc, on est re sur le labo et je vais vous montrer un petit glitch de duplication de diamants. Alors, je vais vous montrer avec la 1.5. Alors, il vous faut prendre. Mais. J'ai demandé ça. Voilà, ceci. Et bien sûr, un diamant. Alors, les diamants, c'est ici. Je pense que nous avons tout. Alors, il suffira de mettre un comparateur de redstone ici. De la redstone comme ça. Ici, vous mettez. Voilà, donc vous faites clic droit sur le comparateur. Et quand vous allumerez, ça va faire un genre de répéteur. Donc vous avez plus qu'à tracer donc le circuit de réaction que vous voulez. Ne pas mettre de répéteur sur la ligne, parce que la ligne, oui, enfin, le courant. Sinon ça va mettre un délai et donc ce sera le délai, le clignotement de la redstone derrière le répéteur sera moins fort que celui-ci en fait. Et donc maintenant, nous attaquons les choses sérieuses. Vous allumez le circuit. Vous mettez
Alors attendez, je vais baisser un peu le son. Vous mettez un bloc de redstone sur celui-là. Un bloc de diamant, excusez-moi. Vous voyez que ça... Donc ça pousse et ça contre, ça pousse et ça tire le bloc de diamant. Ensuite, vous avez qu'à viser le bloc ici. Donc en dessous du piston qui s'affole ici. Et vous mettez le bloc de terre. Donc ça, il faut réessayer plusieurs fois parce que c'est très dur. Donc vous pouvez tester aussi ce bloc de diamant. Oups. Et vous voyez, le bloc de terre est devenu un bloc de diamant. Regardez bien ça. En fait, mieux vaut, et vous pouvez essayer avec ça, mais il faut tirer en fait, il faut viser, pardon, le bloc de diamant qui se colle au piston. Donc en gros, vous visez. Et ça devient un bloc de, le bloc de terre devient un diamant. Voilà, donc vous voyez que c'est très très pratique. Je vais vous mettre en game mode 0. Et je vais vous montrer, regardez, je vais récupérer le bloc de terre. Hop. Bon, c'est assez dur. Il faut bien viser au bon moment en fait. Voilà. Donc j'ai pas récupéré le bloc de terre, des fois on le récupère, ça dépend. Mais vous voyez que j'ai beaucoup de plus de diamants que tout à l'heure. Et voilà, donc pour le petit glitch, le premier système redstone, donc, qui ne coûte pas beaucoup de redstone. Hein. Voilà, donc c'était Mr. Crips, enfin Professeur Crips, pour la première vidéo du Labo Crips. Salut à tous, bye!